Salut à tous, on se retrouve sur Diablo 4 et on va continuer l'aventure après cette petite session de bastion et de donjon. Allez, alors, il nous faut aller ici. Eh ben, on y va. On commence l'acte 4. J'ai hâte de savoir ce que l'histoire va nous réserver. Est-ce qu'on va combattre un Dariel? Parce que pour l'instant, c'était toujours un petit con. Ah, c'est costaud quand même. Allez. J'en profite, je me balade un petit peu. Alors où je suis là. Je fais le tour. Jamais. En vrai, c'est un désert. Alors oui, je sais, le chemin n'indique pas, mais j'ai envie de voir s'il n'y a pas un hôtel de lit dans le coin, parce que j'en ai très peu. Oui, c'est sûr que... Ah, mais il y en a pas un. Ah, il y en a pas un. Ce serait un bon endroit pour me foutre un. C'est presque un bon endroit. Contre les plantes. Alors, je sais pas ce que c'est. Non, là, y a rien. Peut-être entre. Oh, allez, pas ça. Ouais, c'est vraiment où il y a des ruines. Oh, il y a des ruines là. Il y a un coffre. Il y a un hôtel et il y a un coffre. Tenter le TP. Bon. Je crois que j'ai plus de clés. Parce que j'ai fait pas mal d'exploration sur une partie de la map avec les quêtes secondaires. Manière de pouvoir en reprendre quelques-unes. Donc, il me semble que j'ai claqué la dernière clé il n'y a pas longtemps. L'épisode commence très bien. Ne faites pas comme moi, ayez toujours un petit stock de clés. Je ne suis pas prête. Sinon, formez quelques événements et vous en aurez une assez rapidement. Salagouille en ville, comme d'habitude. Alors. Le père vous porte chance. Ah bah, le père, il va me donner des clés. Enfin, j'en ai pris quelques-unes, ça me suffit. Allez, c'est reparti. Bon, un hôtel de lit trouvé, c'est pas mal. J'aurais aimé en trouver plus, mais bon. Ça peut nulle part non plus. Alors, ce petit coffre, c'est quelque chose de bien. Oh oui! Ah, il est rentable ce coffre silencieux, hein! Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on va repartir en ville. Oh ouf! Alors, en bonne santé, c'est pas tout à fait le au max. Mais pour l'instant, on va s'en contenter. Ça, je pense que votre armure. 0,35, c'est pas. C'est pas parfait. Bon. Allez, j'ai quelques gemmes sur moi. Ben. Ça commence très bien parce qu'il va falloir augmenter un petit peu le stuff parce que pour l'histoire, ça va pas être de la grosse optimisation, mais. Il va falloir le faire. Ben, je pensais pas revenir aussitôt. Alors, on va être honnête. C'est vraiment le minimum. Hein.
les aspects, ils sont pas parfaits, donc hein. Je vais pas m'embêter, moi. Revenez s'il vous faut quelque chose. Alors, niveau inventaire, j'ai une cuirasse de... J'ai des fourrures, des peaux et de l'acier. Ouais, tiens, prends ça. Il m'embête pas. En tout cas, ça fait largement plaisir, ce petit coffre. Hein. Franchement, je suis contente d'avoir fait ce petit détour. Est-ce que ça annonce de la chance pour cet épisode, hein? Je ne suis pas prête. Pour cet épisode, beaucoup de doutes. Mais par contre, les trucs du désert, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse, ces aberrations. Allez, déjà. J'aurais bien poussé, mais les mouches sont 26. Allez, hop. Pas les mouches, pas les mouches, pas les mouches. Et voilà. Les belles mouches. Mais c'est qu'elle me suit. Tu veux pas retourner dans le désert? Oui. Non, c'est pas bon. Elle meurt. Bah, y'en a pas un là de petit hôtel? Non, c'est juste des tons. Sa secte devait être particulièrement horrible. Pas plus horrible que le reste des bas-fonds de sanctuaire. En général, j'arrive à ignorer les murmures d'Andariel. Mais pas tout le temps. Mieux vaut un murmure que de la voir revenir dans notre monde. Andariel fait partie du plan de Lilith et d'Elias. Mais en quoi? Que savons-nous pour le moment? Rien. Lilith a passé un accord avec Astaroth. Un démon qui a servi son père. Intéressant comme choix d'allié. Ah bah ça, il est retourné d'où il vient. Clé vers les enfers. Elle y est toujours considérée comme une traîtresse. Pourquoi s'y rendrait-elle? Pour ouvrir la voie. Et surtout, y est-elle déjà? Sans doute. Il nous faut des réponses. Tu fais quoi, Elias a utilisé l'œil aveugle pour contacter Lilith. Nous pourrions aussi nous en servir. Apportez-le ici, s'il vous plaît. C'est risqué. Bonne idée. Très bonne idée. Visualisez Lilith dans votre esprit et plongez votre regard dans l'œil. T'as une super idée, papy. Ça sent la merde. Comme ça, elle saura où on est. Et elle vient chercher la meuf pour faire ressusciter Andariel. T'as raison. L'essence de mon père se reforme. Comment le savez-vous? Je le sens. Comme des milliers de plaies s'ouvrant à nouveau. Il est encore faible et vulnérable. Je dois frapper. Avant qu'il ne puisse résister. Et je prends sa place? Imprégnez-vous de son pouvoir. Les autres seigneurs... T'as notre ordre. Qu'y a-t-il? Elle m'a vu. Elle sait que nous la cherchons. Elle ne va pas tarder à se mettre à notre poursuite. Ou alors... Pas forcément. Comment ça? Bah elle sait qu'on la suit. Lévisto reprend forme. Et Lilith veut s'emparer de son pouvoir tant qu'il est affaibli. Ah... C'est donc à cela que vous vous prépariez. Devenir la haine elle-même. Allez, vieillard. Réfléchis. Avec le pouvoir de Mephisto, elle deviendra elle-même une démone primordiale. Elle pourra
conquérir les enfers et sanctuaires. Je pense savoir comment l'arrêter. Envoyer quelqu'un en enfer ? Mais pour ce faire, nous aurons besoin de l'aide d'un ancien allié. Donan ? Portez ce message à Donan. Yes ! Il a dû se rendre à Kyovashat pour chercher conseil. Alors, on va se TP, ça ira plus vite. J'ai encore rien fait que je suis déjà le pigeon voyageur. J'ai une idée aussi, si on pouvait, on peut pas envoyer Inarius en enfer. Il connaît bien les lieux. Après avoir tourné le dos à tout. De bonnes nouvelles pour changer. Très bonnes. Ça vient de Lorat. Il va sauter toi. Ouais, exactement merveilleux. Quoi ? Que dit-elle ? Il ne vous a rien dit ? Non, bien sûr que non. Cela lui demanderait de faire preuve de considération. Elle est transcrite dans notre code. Et il a envoyé un plan. Si on peut appeler ça ainsi. Il veut emprisonner Lilith avec ma pierre d'âme. Celle qui détenait Astaroth. Ouais. Cela peut-il marcher ? Certainement pas. La pierre doit d'abord être harmonisée. Et pour cela, nous avons besoin d'un expert. Lorat pense que cet expert, c'est vous. Alors, il est encore plus fou que je ne le pensais. C'était pas Descartes Kane. Vous pouvez aller au caveau Radric. Je me charge de récupérer ce qu'il demande. Peut-être me laissera-t-il enfin tranquille après ça. Ah, je sais plus le nom de... Il y en avait un qui était expert. Attendez, là-dedans. Lorat vous a offert son cheval pour faire le voyage ? Non, c'est impossible. Où avais-je la tête ? Évidemment que non. Je suis une vieille connaissance du maître des écuries en ville. Dites-lui que je vous envoie et il vous fournira un destrier. Oh oui ! Donan, t'es vraiment le gars sûr, ouais. Tu as été un peu crédule. Et tu as caché des choses par rapport à Lilith, Astaroth. Mais franchement, il a bien morflé de nous. Ah mais je suis très très contente. Je vais pouvoir récupérer une monture enfin. J'allais un petit peu plus vite pour faire le pigeon voyageur. Ça c'est cool. Au bout d'un moment, là. Hey. Donan ! Ah, voilà, rien à voir avec le vieux grincheux qui vous accompagnait. Quel est son nom déjà ? Leur femme ? Mora ? Donan a vécu des moments difficiles ces derniers temps. Prenez un de mes destriers, je vous... Oui, merci. Impossible de faire ça en ville. Nos écuries sont toujours propres, sèches et chauffées. Que la lumière veille sur vous. Joli. Oh, il est beau comme ça. Et... On va le mettre juste comme ça. Là, on peut acheter ses... Là, autant la selle. C'est vraiment de la cosmétique. Que vos voyages soient paisibles. Thank you.
Comment je dois aller? Ouais, c'est que ça buguait, ça laguait. Bon, une fois qu'on a fait ça, on va ici. Bon, allons-y. Bah, c'est plaisant. On va un peu plus vite. Après, c'est vrai qu'il y en a des anciens joueurs de Diablo 2, bam, tu veux. Ça, ce genre de choses, ils aiment pas du tout. Ça tue un peu l'exploration. Je comprends. Mais ça n'empêche pas de me toucher à terre. Je ne sais pas quel mot ça va être bien. Bon, déjà un élite juste à côté de la ville, ça ne fait pas. C'est pour sprinter. Il y a un événement. Et là, c'est où? Je suis aveugle ou... Ou il est fini peut-être? Je dois attendre. Non, mais il est fini. Ah non, il y a une porte en fin. C'est sur la roue. C'est bon, non. Je vais récupérer une montée, vous devrez aller plus vite. Puis bon, je suis pas seul à faire l'événement. Voilà, c'est quasiment fini. Allez, avec un peu de chance, on aura un petit légendaire. On s'est gavé déjà depuis l'épisode. Et en plus, ça vient de tout, hein, j'avais pas eu de pièces d'armure. Hein, parce que j'ai tout le temps des anneaux et des amulettes. Mais trois quarts du temps, c'est ça. J'aimerais bien avoir des bottes. Pas mal, ou un casque. Bon, mais ce sera pas pour maintenant. Oh, pas mal du tout pour rentrer dans le tas. C'est utile la monture, c'est pas que... Là, c'est effectivement. Ça me permet d'aller un peu plus vite. Cette quête, je sais pas. La quête secondaire. Où je sais pas du tout. Rendre grâce au sanctuaire. Ça, c'est un panneau d'affichage. Il faut que je fasse quoi? En vrai? Non. Alors, reviens. Personnaliser. Rendez grâce, ce serait quoi? Merci. Essayer, hein. Merci. Merci.
Ok. À chaque fois, je descends. Bon, c'est pas grave, je me balade un petit peu. Je vais savoir faire la partie d'un jeu. Oui, le caveau. C'est un petit coffre de la qualité de... Je suis joueur, je veux dire. Hein. Les plantes. Pour les potions. Ce sera utile. Je suis pas prête. Bon, Donan, qu'est-ce qu'il te faut? À part un petit nettoyage dans le caveau. Ça, je pense que ça, c'est, il va le falloir. Je ne suis même pas encore entré. Nous avons un intrus. Je n'irai pas jusque-là. Ce n'est qu'une enfant. Vous avez amené une enfant? Ici? À vrai dire, c'est elle qui m'a amené. Ah, mais ça y est, toutes les pièces du puzzle. Et trois histoires. Faites attention avec ce bâton. Ce n'est pas un jouet. Qui est-il? Il vivait dans ce caveau. Celui dans lequel vous vous êtes introduite. Expliquez-vous. Je suis une disciple. Et je fais des recherches sur les Horadrim. Enfin, sur ce qu'il reste de vous. Une disciple? Qui est votre professeur? Ne me dites pas que Laura t'a pris une autre apprentie. Je n'ai pas besoin de professeur pour étudier. Lilith... Lilith... menace sanctuaire en ce moment même. Je dois me préparer à ça. Avec ou sans votre aide. Au moins, elle courage. Contre Lilith? Bon. Je suis venu chercher mes affaires. J'espère que vous n'y avez pas touché. J'ai bien le... Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Avant, j'étais comme cette fille. J'avais plus de rêves que je ne pouvais en réaliser. Et elle a perdu sa mère, tu veux pas... Laisse-moi ouvrir ça. Tu veux pas la prendre sous ton aile? T'as perdu ton fils. T'as perdu ton fils, tu gagnes une fille. Non, ça te dit pas. Pierre doit être harmonisée avec Lilith avant que Lorath ne l'affronte. Sans ça, elle ne la retiendra pas longtemps. J'ai rassemblé des notes sur le processus avant de partir. Ah, c'est bon. C'est pas moi qui ai touché au niveau, c'était comme ça. Pour commencer, Lorath aura besoin de mes notes. La magie des pierres d'âme n'est pas fiable, même entre les mains les plus douées. Oui, et alors? Soyez prudente. On a invoqué un esprit ici, mais il s'est sauvé. Lorat m'a assuré qu'il l'avait banni pour de bon, mais... J'ai toujours eu le tour. C'est bon, t'inquiète, là. Voilà. Un esprit, quel esprit? Il faut qu'on découvre encore dans le caveau. Il vivait ici, mais comment dire, c'est un peu seul. Je dois attendre. Je vais continuer, j'ai fini, pardon. On va faire du temps,
Il y en a partout. C'est un putain de mage. Je devrais les cramer sans avoir besoin de mon aide. Lilith est issue du domaine de son père. La haine. C'est l'essence dont l'orat aura besoin pour le rituel d'harmonie. Bon, je suis pas une expérience, hein. J'ai une carte par là. Ah, la voilà. Tous les lieux où subsiste la haine de Mephisto. Moi, je le connais bien. Une dernière chose. Il a l'air sympa comme loup. Jusqu'à présent, il m'a pas... Ça a été la chauve-souris. Eh ben... Ah, il faut lui parler, ça y est. Je parie que l'oracle la porte encore. La mission de l'ordre, c'était toute sa vie. Je n'ai pas pu y vouer mon existence, comme lui. Je voulais une vie d'homme. Alors je suis parti en quête d'une famille, de compagnons, de gloire. Mais pas de savoir. Et tout ça pourquoi? Vous avez vu comment ça a fini? T'as perdu tes compagnons. Mon fils. Et ton fils. Je ne peux pas le faire. De toute façon, ça ne marcherait pas. Donan. Vous ne comprenez pas. Ces pierres d'âme, leur essence remonte à l'éternel conflit. Face à une magie si primordiale, il faut de la foi, du courage. Je n'ai ni l'un ni l'autre. Bah, la foi, tu l'as perdue, mais ça se regagne. La force de vos alliés compense votre manque de foi. De qui parlez-vous? De vous? Merci. Oui. Vous êtes la seule personne à pouvoir nous aider. Malheureusement, il se peut que vous ayez raison. Ah, ah je oui. Ne peux rien promettre. Vraiment. Mais... je vais essayer. Pour vous deux. Voyons voir... ce que l'ancien a à dire. Et là, sinon, ouvrir là. Non. Vous pouvez pas faire ça de suite. Elle est partie? Non, elle est là. Oups. Cet endroit est une mine de trésors. Admirez-moi ce chef-d'œuvre. Par-delà le voile des jungles méridionales de Kala. Vous connaissez le travail de Kala? Elle est formidable. C'est l'une de mes auteurs préférées. À moi aussi. Avez-vous lu ces traités? Enfin, nous pourrons en parler sur la route. Sur la route? J'ai décidé de vous aider. Je connais les méthodes des Horadrim, votre magie, et même votre écriture codée. Et ne me dites pas que c'est trop dangereux. Lilith a pris ma mère. Rien ne m'empêchera de l'arrêter. Elle est têtue d'âne. Quel beau discours. Il pourrait même convaincre celui à qui vous devriez l'adresser. Venez. Je pars le retrouver. Mais vous êtes vous-même un Horadrim. N'est-ce pas votre caveau? Ça l'était autrefois. Mais maintenant... j'imagine que l'avenir nous le dira. Ouais, ce sera son caveau, oui. Ouais. Ce sera mort. Niveau 49. Bientôt le niveau 50. Alors, j'en étais où? Allez. Ah bah, on va rester sur ça. Non, c'est... j'ai glissé. Non. La map, s'il vous plaît. On va quitter. Oui, il faut quitter. Je ne suis pas prête. Non, du coup, on va retrouver l'orat. Enfin, je suppose.
Sauf si vous avez un autre roi Dream sous le chapeau. Ouais. Faut repartir. On va voir ce qu'il a vu. Plutôt que d'enfermer Lily dans une pierre d'âme comme ça. Il a dit que c'est pas fiable. Pourquoi pas enfermer l'âme de d'Anduriel? Parce que ça, c'est une bombe à retardement. D'un côté, que ce soit ce plan-là ou l'autre, oubliez, c'est foireux. Dans tous les cas. Il n'y a que essayer d'enfermer des démons dans des pierres. Ça n'a jamais marché. Je dois attendre. Bah si, ça a marché un temps. Mais ils ont fini par être libérés. Allez. Je dois attendre. Je prends cours de la mouille. Allez. J'avais oublié, j'ai pas l'habitude. Faut que je prenne l'habitude que j'ai une monture maintenant. Et qu'on va peut-être aller un petit peu plus vite pour se faire une monture. Ah ça par contre. Je passe pas à côté d'un mur. Gagne du temps, ok, mais ça veut pas dire skipper beaucoup d'événements ou des trucs comme ça. Ça fait une mouche. N'empêche, les mouches là, avec le cheval, c'est pas mal. Vous avez bien fait de m'appeler. On ne plaisante pas avec les pierres d'âme. Ça, c'est le Donan que je connais. Il a réussi à le remotiver. Le plan m'échappe encore. Les eaux sont là. Lilith cherche à s'approprier le pouvoir de Mephisto. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, nous utiliserons la pierre. Elle va nous tomber dessus. Préparer la pierre nécessite un temps que nous n'avons pas. Nous devrions la combattre. Qui inclut ce nous? Vous? Son sang corrompu coule encore dans vos veines. Non. Il ne faut affronter son espèce qu'en dernier recours. Même si vous parveniez à la vaincre, elle finirait par revenir. Mais dans notre cas, avec le temps, les pierres d'âme faiblissent. Vous pouvez y arriver. Le vent s'élève. Je n'arrive pas. Thaïssa ! Bah ouais. Et enfin une personne qui vient de. Je dois attendre. De comprendre qu'il y a quelqu'un qui a disparu. Aïe, bah Elias. Il l'appelait. Avec l'œil, vous m'avez mené tout droit à votre petit camp. Ouais, oui, bien sûr. C'était si leur plan. Lui faire du mal. Lui faire du mal? Non. Je l'ai sublimé. Les runes dessinées sur sa peau forment un relais. Allez. Désormais, elle sert de balise à travers les royaumes. Bon, combat avec Andariel. Mettez-la en sûreté. Tu l'as en sûreté, tu parles. Ça ne sert plus à rien. Elle a joué son rôle. Elle est morte. Et vous avez joué le vôtre aussi. Profitez de vos derniers instants. Tant que vous le pouvez. Bon. Non, pas de combat. Ça va pas tarder. Franchement. Un cerf-miroir. Il a pris le pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait, j'espère? Ah, non. En derrière. Ça commence à être un peu compliqué. Je sais que c'est pas la starotte. On va la battre en 2-2. Ne dites pas ça. Elle est impressionnante pour l'instant, mais c'est pas.
c'est impressionnant pour lui. C'est même pas impressionnant, mais pas grand chose. Hein. Allez, reviens. Non, non. Non, je vais pas me faire attacher. Allez, résister. Je pense qu'elle aurait eu mérité d'avoir une meilleure vocation que juste sortir nulle part de la tempête. Parce que là, à part. Ah bah déjà il y a rien de plus. Alors, je vais demander les US. Ah, ça a l'air un peu plus costaud déjà. Et en fait, j'ai pas eu le temps vraiment de rester là. Ah, j'ai parti direct en enfer. C'est cool, hein. Tout ça pour la faire repartir de lui. C'est ça qu'a PV, ça de quoi. En fait, c'est vraiment le même truc. Après, pour voir avec. Si elle a d'autres phrases. J'essaie de rester concentré. Bon, ça y est. Pas hyper ciblé. C'est autant quand on voit Mephisto, Val, la vraiment une sensation de danger pour le coup. Je sais pas, pas toute une question avec ça. Attends, c'est. Ok, c'est un démon mineur, mais c'est pas. Pas non plus n'importe quel démon quoi. Je peux expliquer avec une autre invoquée, elle n'a pas tout ce qu'il y a. Regardez, c'est un sac de frappe. D'accord, j'ai mal pour elle. Un peu un petit légendaire. Ah bah si, mais un anneau toujours. Encore et toujours un anneau. Oh. Je sais pas si. J'ai jamais mon bon moi. Bon bah. Coucou. Oui, sympa. Plutôt que de m'aider, vous restez planqué. Merci. C'est moi qui fais tout le boulot, j'ai compris. Bon sang. Ça veut dire qu'il a terminé le rituel du volcan. Le quoi ? C'est l'homme qui a invoqué Lilith. Vous dites qu'il a également invoqué un démon mineur ? Ouais, Suivez, jeune fille. Andariel n'est plus ? Ah bah non. Écoute, il reste plus rien. Et Elias ? Eh bah Elias, il a disparu. Il a fui. Tu crois qu'il va rester ? Se rendre dans les steppes. Elias est venu à Awezar pour dérober quelque chose. Voilà. J'ai une amie à Awezar qui maîtrise l'art de l'immortalité. Je croyais que c'était Lilith qu'on poursuivait. Le retrouver pourrait nous conduire à elle. Et pendant qu'on le cherche, vous pourrez vous occuper de la pierre. Bon, j'en suis. C'est vous qui avez dit ça. Ah. Bon. Mais on va s'arrêter là. C'était déjà, je pense, assez dense. On continuera l'acte 4. On verra où ça nous mène. En tout cas, je suis déçue pour Dandariel qu'on lui a roulé dessus. C'est ignoble. J'ai plus galéré avec certains boss de Bastion, quoi.
Oh, ça me fait mal. Bon, après, j'espère que Lilith, ce sera pas pareil, parce que ce serait vraiment dommage. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.